Let's go. C'est le cinquième, le sixième stream d'affilée. Bientôt 7. Non, pas bientôt 7. Pas bientôt 7 puisque demain je ne serai pas là. Donc, j'espère vraiment finir ça ce soir. Donc, on s'était arrêté. Ah oui, Alexandrie s'est fait détruire, on se réveille à Lindblum. Conférence de Hilda qui nous donne plein d'informations sur Kuja. Car pendant qu'elle était sa captive, il lui a raconté beaucoup beaucoup de choses juste par ego et arrogance. Donc elle va nous expliquer gentiment l'étape suivante qui est de se rendre au château d'Ipsen. Donc on va obtenir le Hildegarde 3. Qu'on va, je pense, gentiment ignorer. Il faut juste que je vérifie s'il y a des trucs à Daguerreo. Parce que je ne sais plus si c'est des trucs à Daguerreo. FF9. Daguerreo, mettez-moi une map. Alors que j'ai pas trop à chercher. Parce que je sais qu'il y a... FF9, map, alors Daguerreo, où te trouves-tu? Plus grande s'il vous plaît la carte, voici. Ok, Daguerreo c'est là. Ouais, donc on répare tout ça, on répare. On passera donc à Daguerreo, parce que je sais qu'il y a un magasin et qu'il y a une forge. Oh, mais attends, je suis pas en x2. Je pète. Il y a un magasin et une forge. Donc potentiellement il y a des équipements qui peuvent m'intéresser. Parce que je ne sais plus du tout où est-ce que c'est l'équipement. Ah, plus vite. Hop, descend là. Prochain boss qui arrivera ce sera. Ouais, Dakar Barbarian, Silver Dragon, Garland, Kuja. Ah oui, et Ipsen, c'est pour ça qu'on a gardé des armes peu puissantes, même pas puissantes, nos armes du début. Parce que si je dis pas de bêtises, dans Ipsen, l'efficacité des armes est inversée, les plus puissantes sont les moins puissantes et vice versa. Donc c'est à dire que dans le pire des cas, c'est pas trop grave si je passais pas à Daguerreo maintenant, mais autant le faire. Ah, mais c'est Bénil ou quoi? C'est crétin. Donc, Béa va nous raconter comment ça s'est passé. La défense et la destruction d'Alexandrie. Elle m'a remis un item, j'ai même pas vu ce que c'était. Oh, tu parles, oui. En fait, c'est bon, en fait, finalement, je vais aller de l'avant, en fait. Ah oui, c'est vrai qu'elle me file un grenat. Tu sais, parce que c'est ton ancien nom. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire là tout de suite qui signifierait encore plus du changement que son changement de prénom nul de la fois d'avant. Waouh. En plus ça va marcher. C'est-à-dire, tu fais ça en vrai. Tu ressembles plus à rien. T'es pas coupé droit, les longueurs, les pointes, les machins. Là on est vraiment... C'est vraiment Final Fantasy, hein.
Voilà. C'était mieux avant, mais ça ressemble quand même à quelque chose. Allez. Attends, on passe par contre. Et quand est-ce que tu t'es coupé le cheveu? Mais qu'est-ce que tu as fait, princesse? C'est lui qui t'a forcé. Non, mais fais ce qu'elle veut, c'est des cheveux, merde. Non, je ne vais pas refaire mon équipe. Je vais, comme tout à l'heure, prendre ceux qui le plus sont capables de s'auto one shot. Allez hop, alors, passage à Daguerreo. Daguerreo. Là-haut, je crois. Ah oui, alors attends. Il y a plus que je cherche à accomplir en fait. Taisez-vous! Let's go. De vrai, ça à quoi ça sert? Ouais, non, c'est pas toi à qui je veux parler. Ça, c'est l'aventurier pour faire la quête de Excalibur. Donc. On est un peu OZEF. Toi, forgeron. Ange bleu. Ok, Gradus et Zorin. Je n'ai ni l'un ni l'autre. Et bien sûr, la robe de coton qui est toujours là s'il faut farmer de la thune. Coraline, c'est bon. Botte magique, on a. Barrette, on s'en fiche. Extension, on peut utiliser. Boombag, on a. Numéro 5 on peut utiliser, les combat de boots je ne sais plus ce qu'elles font. J'ai pas de Angel Moon de ma gueule. Ah non, c'est le truc de niveau 3. Non, c'est complètement vrai, je n'ai pas de Angel Moon, diamant pocket, mais on se souvient que c'est pas important. Enfin, c'est important peut-être. Y a pas d'armurier. Voilà, non? Bibliobergiste. Des métiers qui ont de l'avenir. Ok. J'arrive à un petit truc là. On fout. Ah, si ça se trouve, il me voit rien d'intéressant en plus. Là. Y a un caillou magique là. Mais je sais plus comment il faut donner de gemmes et j'en ai pas. Il veut pouvoir monter une marchandise. Ça veut dire qu'il faut que je fasse genre ça. Ça me saoule, FF9 Daguerreo. Que vend le mec? Est-ce que... Vous avez certainement remarqué que ce ne vend plus rien. Hein ouais. Abaisser le bloc de gauche avec le levier de gauche et inspecter le trou. Ah putain, c'est vrai qu'il y a un trou. Dire wesh, c'est quoi ce truc, mettre un bâton dedans ou quoi? Ah non. Une bite, vous dire attends. Respecte trop, respectez le bois chat. Attends, maintenant le levier de droite à plusieurs reprises, vous venez de régler le problème. Et le problème il est réglé là. Ah oui d'accord, bien sûr. Gradus. Zorin. Je crois pas que les autres aient encore des fights à faire tout seul.
Parce que ça fait pourquoi ça coûte si cher. Ah, ok, sacré, c'est pour ça. Bon, on a. Roche d'or, on n'a pas, on prend dans le doute. Il faut qu'on en prend dans le doute. Astronix, prend dans le doute. Coûte cher, intéressant. Auto-récup, roche d'or, très intéressant. T'es en train de prendre un truc avec ça, non? Des troubles. Ouais, bah tant pis. Le bracelet que j'ai pris tout à l'heure, j'ai des bonnes stats, mais sinon on s'en fout. Et ici, Astronix, à moins d'attaque. Un peu plus de défense, moins d'attaque. Plus de défense, pas juste un peu plus. Et là... prudence de télévisation, on s'en fout, échappée belle, Osef, des troubles, bon d'accord. Est-ce que le Zorin et l'Organix ont la moindre, le moindre intérêt? Très populaire chez les voleurs en tout cas. Pardon, le Zorin et le Gradius. Embrouille. Ça fait, ça tape moins fort que ce que j'avais avant. Plus qu'à espérer que c'est parce qu'en fait quand on les fusionne ça fait un truc de dingue. Ça fait des dégâts. Ouais. J'allais dire que je faisais, que j'avais raison de passer par ici moi. Par principe. Je sais pas à quel point ça tape fort. Putain, punaise à la con. Non, c'est bon. Ça va me permettre de me débarrasser du reste du groupe. Oh! Et si, qu'à ces gens-là? Bon, alors attends, c'est wipe. Ça compte pas. Wipe mais ça compte pas. En plus j'ai même pas lancé le death counter. Je savais plus qu'il y avait des dragons ici. Oui bah d'accord, mais si je m'étais souvenu j'aurais pas fait ça hein. Ah, hop le counter et machin things donc plus moins. Non mais je veux dire je le compte mais en vrai ça va. Ah la honte. Bien. Non mais on va bien, on va attaquer genre un truc. Alors, Ibsen est là. Genre on va quand même attaquer un truc hein. C'est ça. Un caillou. D'accord que oui, j'ai encore l'item. À la base, je voulais juste finir d'apprendre ça pour par principe. Même si on s'en fout complètement, tu vois. Avant de mettre l'autre. Non pas que je pense avoir. Oh, la référence FF7. Ça me permettra aussi de. Et ces gens-là. Et j'allais dire autopotion, c'est quand tu veux. On va équiper auto-récup. Hein. Ah mais d'accord, ça fait la moitié de mes PV, boulet. C'est pour ça que ça faisait si mal. 50% de mes PV. Oui, pour le plus vite. 2. On a pris auto-boomerang. Ça veut dire qu'on a juste pas... Ouais. Donc, si j'y vais au stat, je vais monter à 45 d'attaque. Monter à 46 d'attaque avec la chasse passe. Et si je l'équipe, je ne pourrais pas le lancer. Mais je vais apprendre des troubles. On a dit la bonne stat, mais moins d'attaque. Coffret qui a été appris. Donc, compétence. Auto-booster on garde. Hop. Bird Killer on va garder parce que boss du château d'Ibsen.
contre-attaque, ça peut être sympa. Hold up, c'est Osef. Mobilis, on verra s'ils s'en servent. Peut-être qu'ils s'en servent auquel cas, tant pis pour ma gueule. Et auto-récup, c'était en haut, j'ai pas vu. Liste. Ouais, j'ai l'auto-récup à 10, c'est beaucoup. Donc oui, j'ai équipé la grosse épée, mais on se rappelle que c'est à d'Ibsen. Donc en fait, on équipe la pauvre dague pourrie. Il a l'air vraiment bizarre ce château. C'est vrai. Ah oui, ça, lui, il veut... Il va se barrer avant la fin, mais il va revenir avant, après la fin. Regardez l'équipe des gens morts. Très sympa. Ok. Bon, on pourrait prendre ça dont on se fiche. Et le jeu est sympa pour te filer une dague au cas où t'en aies plus. Mais je vais garder ma dague. Bref, prendre ça. Ouais, il y a quelqu'un qui vend des armes pas ouf. On a nos potions, on est ok. Il save. Hop. Barre de fer, on descend. Oh, le roi du pole dance. Échelle là. vers ici, je crois. Bon, c'est un peu à l'aveugle, hein. Ok, let's go. Qu'est-ce que t'as, j'ai une javeline, une flamberge, un bâton. Ok, bah j'ai pris le bon chemin du premier coup, c'est chouette. Et nous, bah, allez, on y va. On va se soigner. Oh my god, on va se soigner. On prend les 4 miroirs. Et l'emplacement des quatre démons, je sais plus comment ils s'appellent, des 4 démons élémentaires là. Dans FF1. Et on s'en va. Oh mais j'ai comme l'impression que tout ne va pas pouvoir se passer comme on l'entend. Et si on se faisait attaquer par un truc un peu moche? Remettre au miroir. Vous avoir arrêté énergie, énergie importante pour Terra. Ou ennemi de Terra? C'était qui? Moi être Daka? Je répétais, remettre au miroir. Pourquoi on ferait un truc pareil? Stupide, moi tuez-vous. Let's go. On est stupide après en parler. Hein. Voilà, déjà ça c'est dit, c'est fait. Hein. Auto-booster, auto-récup, auto-potion. Est-ce qu'il y a un truc à voler? Oricalque. À quoi sert l'oricalque dans FF9? C'est pour le craft, non? Ah non, apprentissage de troisième œil. Ah mais c'est une arme! Elle a 71 attaques. Montrez-moi les attaques de Gigi. Et pardon, les attaques, les armes. Qui est classée au-dessus de celle-ci, donc sûrement qu'elle tape plus fort. 71 et celle que j'ai là tout de suite fait 53. Oh, on va essayer de voler au recalque. Je sais pas où est-ce qu'on peut la voir d'autre. Alors, dans le doute. Minigriffe, Elixir et Oricum. On va voir. J'ai pas Lupin, j'ai pas. Je l'ai pas équipé, j'ai bien. Auto-potion et régène, c'est bon. Minigriffe, c'est pour le dernier item. Tu sais qu'on passe à l'air de l'autre épée que j'ai acheté là? Il y avait un nom rigolo? On va le rater. Dur.
J'ai un achievement, qu'est-ce qui vient de se passer? À utiliser la commande volée. J'ai 50 fois la commande volée. Apparently if you run ads like during stream, it removes the join ad. Wait, what? I'm not even sure I understand the message. If you run ads during stream, it removes the join ads for viewers. What are join ads? Oh, yeah, okay, yeah, the join, yeah, sure. It does, yeah. When you watch an ad somewhere, it prevents you from seeing start stream, like joining stream ads for the next something minutes. He's got a sword. I'm trying to steal a sword, a dagger. If you steal. Got even more regen than last time. The potions whenever I get hit, and then just healing periodically. That basically heals me to full even before the potion from the auto potion kicks in. Et beaucoup de tentatives pour voler une dague. I know he still has the item. Levels, man, you missed level ups. They just happened. Yep, okay, that was what I wanted. Now I just wait. And I could attack, but okay. Open. Huge chest. Could be very low damage. Yeah. I don't know, I just leveled up. Okay. He's got... Oh, that's an annoying fight. Wait, this? Oh no, because I heal, so it will be one, yeah. Trends. Big trend damage. It's a long fight that I cannot lose. It's just impossible. I'm waiting for him to untuck. Not the word. To appear. I don't know. Come on! Open. Nope. At this point, I'm not even... Come on! Open! Is it just it's not a time thing, is it? I need to actually attack him and...
That is low damage. Ok. Please die. This is long. This is a long drawn out fight. I was hoping I would finish the game this stream, which I still have about 2 hours to do. But come on. Okay. Where were you when Infinite Lobster happened? I now have a big sword that I'm not gonna use because this is a weird dungeon in which the efficiency of items is reversed. No, I mean not items, but just the weapons. I don't know what this does. I just good. What is this place? What's the point? Oh. Sure. I cannot use this. It is a female only piece of equipment. Yeah, like you have to get out, and then they'll be like, "Where's the guy wearing red? That he was with you." Like, I don't know. We parted ways. Then you have to go back in. Yeah. Was that opened earlier? Sure. What is this? Cerberus. No, it's not. It's just a weird. I mean, that's what Cerberus is. There's something here? Oh, there's a whole bunch of whatevers. Like, hey, we're done, but where's the guy in red? He was supposed to already be here. Blah, blah, blah. I'm going back in to look for him. Alone. There is no reason to go here alone. Except for flaming. Like, looking at the guy like, well, what happened to you, bitch? He's not sleeping. He's hurt. Guy in red is like toxic masculinity simulation 2.0. Yeah, now we get out. We could have done this. Okay, so there's a map on the wall, showing four mirrors, which on each mirror is a text that only I can read. Something about wind, something about the earth, something about flames, and something about water. And apparently if we go there, there is a big ass boss that we have to beat to move forwards. So they're like, well, maybe we need to beat them, the four of them at the same time, which nothing suggests you should. Can I go alone? It would be way quicker. No, I can't. Okay. Then it's level 1, level 7, and level 12. Easiest to one-shot. This, I don't care about this.
Yep, next part, sanctuaries, yep. So the first one is south of Ibsen. This. I knew it was something earlier. I saw this and I was like, what is this? But there wasn't like a whirlpool back then. So the two girls go there. Good thing is they'll beat the boss without our help. Like I only need to attack one of them. Second place is south from Forgotten Continent, so it should be here. The sky has to be shit. Yeah, it's somewhere in the shit sky. Where was it? Well, I don't want to look at a map. This is it, right? No. No. Oh no, that's a chocobo thing. Oh, I didn't equip the good weapon. Also. So I just go for stats here, which this should be the best one. Yep. And then this is stats as well. So that one. Less defense but more attack. And this is the best one. I could be learning something here, but no. This, yeah, this is damage and also a skill I don't have, so. There should be something here. Why can't I find it? Yeah, that's what it is, right? The thing I was on. No? This thing here? Or maybe you have to start from the top? No? Wait. Wind Sanctuary. Blah 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 blah. Where is it? How? Or do you just have to run full force into the thing, but the wind blocks you? Oh, that's Fabrice. No, it's not about running into it. Where is the wind shrine? Please map me. This is what it is. The plane boat thing should. Or maybe that's not the one I'm supposed to go next. Maybe I'm supposed to go to another one. Oh yeah, no. It's because I need to go on another one first. I have to go there first. Yep. Then the win one. Vous n'en faites pas, monsieur Bibi. Restez à moi, monsieur Bibi. This one is south of the of this continent. Uh,
Close Continent. Forgotten Continent. So this should be the outside continent, so it should be over there, I think. No, it isn't. This is Chocobo, yeah, no. Nope. Oh. This looks like not what I'm looking for. I can't remember where it is. Isn't it south of this continent? Il est où le truc? That's random shit. Continent. Looking at the entirely wrong continent. Yeah, it looked like a desert on the picture. There's no way. Yeah, it's there. Yeah. So this is going to be Barbarian boss. Let me put this here. Okay, so I should have Devil Killer. Got Vengeresse. Catsuit. C'est pas pour moi, Catsuit. Et Vengeresse, c'est un nom d'épée. Ce sont des griffes et Catsuit. Les unes et talions, mais pas pour moi. Donc c'est Ozeif. Ouais, pas besoin de se regarder. Oh là, des pièges. Ah, cette transition, je quand j'étais gamin, c'était quand même cool le côté genre. On est dans un donjon, meanwhile, bam, meanwhile. Piège, attention, meanwhile. J'espère que les autres vont bien. Quoi? Piège! Et regardez au-dessus de votre tête en fait. La peste, c'est sûr. Donc Merylith. Cela c'est vraiment les boss Final Fantasy 1. Ça c'est Merylith. Ça c'est la liche. Ils sont appelés Barbarian pour une raison que j'ignore. Alors que c'est la liche. Et je sais plus comment s'appellent les autres. Merylith Barbarian. Donc Merylith. Yamat pour le vent et c'est Katobeplas, Kayatine pour l'eau. Lamia. Merylith Lamia. Qui est censuré me semble-t-il dans FF1 en version US. J'imagine n'arrive pas à l'atteindre. Écoutez-moi monsieur Bibi. Envoyez des rafales de sorts. C'est-à-dire que vous voulez quoi comme magie? J'en ai rien à battre. Des rafales, vous dis-je, monsieur Bibi. Je m'avais dit que 8 rats viendraient. J'ai l'air déçu, tu préparais une fête pour plus de rats peut-être. Je veux pas qu'on s'amuse tous les trois. Oh, on va manger jusqu'aux os. Oh, le danger de Quina. Oh, le red flag, Quina. On peut pas dire tant qu'on n'a pas goûté, hein. Allez, eh bien, alors je vais vous goûter. Monstre de terre, auto-lévite. Ouais, j'aurais dû mettre auto-lévitation, mais je l'ai pas mis. Auto-lévitation ou les filets, l'item qui fait l'auto-lévitation.
donne aussi. J'absorbe les dégâts de terre. Mais je pense que sauf si mon shot lui fait des dégâts assez conséquents. Bref. Il est déjà à 8000. Il a 20000 PV max. Ok. Qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive avec, avec autorégène et autopotion? Voilà. J'espère que nos amis vont bien. J'espère qu'ils ont autant galéré que nous. Oh là, on les voit même pas combattre. Ah là là, enfin on respire. Est-ce que tu es amoureuse de Jidan? Ah bah c'est-à-dire, enfin c'est une question en fait, enfin c'est-à-dire, c'est la réponse, enfin je veux dire, oh il est là, on y va, hein. J'ai répondu aux questions sans regarder les choix, hein. Bien sûr. Voilà, je suis complètement def. On va à côté de Gaza Est. Au machin de lumière, Gaza Est est là, donc ça va être par là. Hein. Non. Il me semblait que c'était là. Voilà. Voilà. Proche de Gaza Est. Ah non, mais c'est l'île. C'est là. De punaise de merde. Pardon, désolé, hein, mais. Allez. Et donc, on va céder à Terra. Ah, littéralement, une planète différente. Escape. Bonjour, je suis Garland. Je suis techniquement ton papa, mais je suis pas vraiment ton papa. Donc c'est Garland, on rappelle. C'est lui qui a fabriqué Jidan comme contre-pouvoir pour pouvoir latter la gueule à Kuja. Si jamais Kuja venait à péter un câble, et elle, j'ai plus son nom, mais c'est aussi une génome créée par Garland. Ah, une hypno couronne et un agonie. Ah non, ça par contre je prends. Mais elle me ressemble, je veux savoir. Ok. Aha! Tu ne sais rien pas qui je suis, n'est-ce pas? Suis-moi si tu veux savoir qui tu es vraiment. Il s'est jamais posé une seule question sur qui il était vraiment, si tu veux, tout d'un coup il y a quelqu'un qui lui propose ça. Ah ah. Pour l'équiper, il n'y a pas. Ah, c'est parce que c'est de l'armure. Je vais l'équiper. Très bien. Random aggro. Ah oui, je me suis pas remis le truc anticipé. Ah oui, donc ils sont juste chiants en fait. Okay. Pas de dégâts, ça m'arrangerait. Dommage. Bah oui, mais maintenant tu m'as énervé. Que je te dise. Enfin, je me soigne alors que j'ai même pas besoin de tellement chier. Reste encore 46 de maxi potions. C'est celui-là qui était pas opti pour les stats, je crois, non? Non, celui-là c'était opti.
Tonifiant, c'était opti aussi, tellement c'est pas bon, ça c'est bon. Là on a pris prudence. Donc on a donc dit qu'on avait ça. Auto-lévitation, c'est quoi? T20, ça sera vite. Oh, ruban. Et en plus, absorbe plein de trucs. Et c'est vrai qu'il peut l'équiper. Hein, ah bah alors c'est bon, c'est fini, ruban. On va quand même apprendre l'autre truc là, mais. J'ai perdu. Et donc on va arriver à Branval, ça va être encore de beaucoup de discussions parce que c'est le moment où Vidane va apprendre des trucs à propos de lui. Ok. Ah oui, il a tout plein. Ah non, ah non. Ouais, mais alors ça devrait pas compter. This just picks something at random on the field and kills it. So because Zidane is the only living character here, he is the only one who can be targeted. So let's hope we don't have to fight them ever. Branval, pardon, c'est pas ce qui m'a pris. Pas utile celle-là. Ah bon, on saura pas pourquoi elle a perdu connaissance. Attends. Daga est prise de malaise en voyant le vaisseau de Terra, celui-là même qui est apparu au-dessus de Madeline Salé. Ah bah oui, d'accord. Oui. Elle a vu le vaisseau avec l'œil en dessous. L'invincible. Très bien. Ici, auberge. S'il vous plaît, faites dormir ma meuf. Est-ce que t'aurais pas des médicaments? T'es une mâche blanche. Tu possèdes de la magie soigneuse. Auberge, élixir, on va ramasser. Ange larme, Osef, Mog, Achat, Angel Moon dans le coffre. On se fiche un peu. On va le prendre quand même. Quoique non, on s'en fiche un peu. Je dis, on va le prendre quand même parce qu'il y avait un item à forger avec un Angel Moon, mais en fait, j'ai tellement plus besoin du rien niveau item. ok, skill skin, machin. Donc, élixir. Rentrer à la maison avec un Mog, celui-ci est dans le vase. Pas là du coup. En revenant dans cette même pièce, vous croiserez si. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire qu'il faut que tu te saves. Oh merde, oups. T'as une mock boutique. Est-ce que t'as des potions un peu chouettes? Ah bah tiens, on aurait pu acheter le recalque là en fait. Dragonnet. 3 yeux. Oh, en fait on aurait pu en trouver un je crois de 3 yeux quelque part mais... Ça se trouve en toute manière c'est pas utile. Je les prends pour... Maxi potion. Talion. Sûrement un truc à base de contre-attaque, non? La loi du talion, il pourrait être dent pour dent. Dragonnet. Bonne défense, bonne esquive. Mais non. Là, rien de plus intéressant. Et ici, toujours rien. Si, on va remettre le truc, on est mort avant de l'avoir. Ah. C'est quoi, talion? C'est de la contre-attaque, non?
Favorise les contre-attaques. Très bien. Compétences plus, c'est Osef, parce qu'on a déjà pas mal de compétences comme ça. Auto-potion, c'est pratique en garde, mais il y a auto-récup, auto-booster qui font que de toute manière, c'est plié. Devil Killer, qu'on va pouvoir désactiver. Prochain boss, ce sera Beurre des Dragons, de toute manière. Je pense que je peux même désactiver niveau plus. J'ai pas Dragon Killer, tant pis. Mais tant pis, il y aura un truc à voler ou pas, les armures, si ça arrive, on s'en fiche. Et en plus, auto-lévite, on s'en fiche dans ce contexte-là. Peut-être on peut même virer auto-potion, on verra bien. Et qu'on doit faire un test sans auto-potion. Par contre, il y a des gens qui m'ont stoppé il y a pas longtemps. Confusion. On ressort et on re-rentre. Oh là là, steel skin. Et en plus, un diamant qu'on pourrait faire. Il y a Daguerreau, il y avait aussi un item à craft avec un diamant, mais je sais plus ce que c'est. Bref. On serait prêt, j'en ai l'étrange fille au laboratoire, sous le sol de la maison, au fond. Ah oui. Là et là. C'est elle, elle est pas bien pareil. Elle est toute seule. Ouais. Tu as enfin compris. Je suis pas certain. Il y a un paquet de types avec une queue comme la mienne. Ce sont tes compagnons. C'est ça leur nom. Ce ne sont pas les seuls. Toi aussi tu en as un et moi aussi. Et c'est comme ça qu'on s'appelle. Oh là là. Nous nous assurons que qu'un de nous est une âme. C'est-à-dire que Garland a créé des gens de toutes pièces et s'est dit oh ouais, je vais leur mettre une queue. C'est ça la surrace. Contrainte de Echo en forme une équipe dans chez Queen en grand cristal, vie du bord du lac et terrasse pour des escaliers. On a dit vie du bord du lac, terrasse en haut des escaliers. Et Quina est au grand cristal. Ah oui là. Je crois que ça se mange. Bah non, voyons, c'est un cristal. Quina. T'es pas là tout à l'heure, toi. Passons par la même chemin que Jidan pour parler à son double. ATE. Ah d'accord, son double. Hop. Est-ce que combat? Non, pas encore. Avancez tout droit pour rencontrer Garland. Il y a 12 ans, j'ai perdu un bon jeune homme. Il était l'un des êtres créés pour troubler l'activité giratoire de l'âme de Hera. Ça ne veut rien dire. Je suis heureux de te revoir. Tais-toi, c'est moi qui décide qui je suis. Un vieux comme toi n'a rien à me dire. Je vois, c'est toi, Garland. Et alors? Je vais te détruire. Mais d'abord, raconte-moi tout ce que tu sais. Pourquoi j'ai été élevé à Hera? Pourquoi ils ont appelé ça Hera? Et Terra et Gaïa en anglais? Pourquoi voulez-vous détruire Hera? Détruire Hera n'est pas notre but. Nous voulons seulement transformer Hera en Terra. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Que tu grandisses, Hera n'était pas prévu. Un autre être a dérangé nos projets. Notre être, de qui tu parles? Une de tes connaissances, suis-moi. Nous avons encore le temps avant que l'éclat de Terra remplace celui de Hera. Hera, mais laissez Gaïa. Terra et Hera, quoi. Attends.
Vas-y, dis-moi tout. Je produis des génomes, réceptacle de l'âme du peuple réveillé de Terra. Il y a 24 ans, un génome comme toi est venu au monde. Mais j'ai failli le jeter parce que son ego était trop fort pour le réceptacle. En même temps, j'ai pensé que nous pourrions utiliser sa surprenante force. Je l'ai envoyé à Hera afin de trouver la circulation de l'âme de Hera. Et à quoi, de qui tu parles? À ton avis? Tu n'as pas deviné, il te ressemble beaucoup. Il me ressemble? J'ai jamais vu un mec pareil, moi. Il ne te ressemble peut-être pas en apparence, mais son âme ressemble à est semblable à la tienne. Ton envoyé à Hera est ton frère, pour ainsi dire. C'est Kuja. Kuja, c'est un génome. C'est pas possible, mais il n'a pas de queue. Si, il en a sûrement une. Il a l'habitude de la cacher, il veut nier sa nature de génome. Il ne croit pas en ses propres valeurs et se déclare indépendant de tout. Vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Du tout. Ne dis pas n'importe quoi, je n'ai rien à voir avec ce type. Lui aussi disait, je ne suis pas comme tous ces génomes. Il est tellement prévisible, Gigi. Sa mégalomanie, inadapté à un réceptacle, l'a heureusement amené à accomplir une mission. La permission de mettre Hera à feu et à sang, pour créer une circulation perturbatrice. Pour quoi faire? Pour bouleverser la circulation de l'âme, c'est-à-dire pour engendrer une guerre. À vrai dire, je ne pensais pas qu'il irait jusque-là. Et voilà, pourquoi j'ai dû aller sur Hera? Il était jaloux de toi, depuis la naissance à Branval, parce qu'il avait deviné ta force. Il a cru qu'un jeune homme comme toi serait une menace pour lui. Kuja t'a abandonné sur Hera, qu'il avait déjà prévu d'attaquer. Tu pensais aussi m'envoyer sur Hera? Tout à fait. Nous n'avons pas prévu que Kuja t'abandonnerait, et nous l'avons laissé faire ce qu'il voulait. Pour lui, accomplir sa mission dévastatrice sur Hera, c'était prouver qu'il t'était supérieur. Il a besoin de toi pour prouver sa raison d'être, sinon il est perdu. Autant de sang versé pour ça? Quel démon! Allez, on skip. L'IFA, oui, on sait, divise les âmes, l'âme dormante, c'est un sous-produit. L'IFA est en activité, mais sous le sol. Je veux dire, je le lis par principe, mais en fait, enfin, je me le suis lu pour moi par principe, parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas vu parler, entendu parler hein, du scénario de FF9. Mais concrètement, on n'est pas là pour ça, bien sûr, hein, on est en train de se dépêcher pour finir ce jeu avec uniquement Jidan. Histoire de faire avancer le montage de la vidéo du stream. Les vitesses plus que et on tombe. Ça parle beaucoup. Je suis un méchant. Oh. Bien sûr, on est sur un trône, bien entendu. On se remet en question notre vie entière. On va se faire réveiller par Bibi et Echo. Voilà, on titube alors qu'on n'est pas bourré. Dane! Est-ce que j'ai le contrôle ou pas? Ah, lâchez-moi les gosses. Il y a un autre monde que les gosses comme vous peuvent même pas imaginer. Il est complètement défoncé. Faut que je fasse gaffe pour ma règle, même si on s'en fout un peu. Parce que je vais recevoir de l'aide. Et merde. J'ai pas une attaque, je vais briser ma règle. Ah non, c'est bon. Merde! Oh, c'est bon, attention, ça arrivera à n'importe qui. 35 morts. Eh, c'est bon. Ah, putain. Mais ouais, mais c'est parce que j'étais en vitesse boostée, là. Ça va beaucoup trop vite, parfois, pour pouvoir suivre. Et aussi que je suis fatigué. Ça joue un peu. Juste un peu. J'ai déséquipé autopotion. Ok, Freya qui débarque. Freya va s'attaquer elle-même. Freya est morte. Très bien. On te bute. On rappelle, hein, règle numéro 1 et 2. Il n'y a que Jidan qui peut agir pendant les combats. Qui peut agir sur les ennemis pendant les combats. Et si jamais il a des alliés en vie, il ne peut pas agir sur les ennemis tant que les alliés sont encore en vie. Règle numéro 1 et 2 du challenge. Deuxième ennemi. Oh là là, Hornet.
c'est ça, non? Ah, qui est beau. Il faut que... Ah. Jidan n'est pas dans le combat ceci, donc je peux le gérer attaquer normalement. Hein. Mais maintenant que Jidan est là... Wina se suicide. Zainer se fait meurtrir par son ami. Et Jidan me laisse tout seul comme un grand. Ah, j'ai pas équipé le ruban? Non, j'ai pas équipé le ruban puisque j'ai mis le truc qui apprend prudence. Plus par principe qu'autre chose parce qu'on s'en fout un peu. Faucheuse, F-O-C-H-E-U-Z. Dis-moi que t'es un jeu des années 2000 sans dire que t'es un jeu des années 2000. Troisième combat. Avec le Blind Dragon. Le Adamant Kelon. J'ai le truc qui absorbe les dégâts de terre. C'est réglé. Ah oui, ça s'est fait exprès. C'est scénarisé. Merci. C'est sympa de ta part. Je crit la face. Talion qui favorise les contre-attaques. Une autre. R. C'est pour les contre-attaques que j'ai désactivé. Faker Samson. Que j'ai désactivé Autopotion. Plus tu te mêles de mes affaires. Après cette séquence mémorable, Jidan redeviendra enfin lui-même. Oh, après cette séquence mémorable, il y a écrit. Après, c'est vrai qu'elle l'est. Pas là, parce que là, on est en train de faire tout en vitesse accélérée pour essayer de finir ça ce soir. Ouais, qui absorbe la terre. Est-ce que auto-lévitation, ça sera vraiment nécessaire? Je pense pas. Hein. Changer d'avis, finalement on peut rester potes. On remet l'équipe, on remet des gens qui sont rapides à one shot ou des gens qui sont déjà morts. Hein. Boutique, pas de boutique. On a encore plein niveau potion. Il y a un truc derrière lui. Est-ce que c'est bien comme item? Ça fait rêver, je peux l'utiliser. Ah, c'est un casque qui est pas pour moi. La peau du sacré, c'est un truc pour les soigneurs auxquels j'ai pas accès moi. Pas grave. Résultat, vous pourrez. Allez. Facile. Le puzzle. Qu'est-ce que c'est? Je me souviens plus ce que c'est. Ah oui, changer l'orientation de l'ascenseur, attends. Après quelques allers-retours et quelques combinaisons, une équipe restera à rechercher pour modifier la trajectoire. C'est un truc qui m'intéresse là-haut. Et sous, tant pis, je m'en fiche. Les 24, mais sous. Position 4. Ah, position 4.
Attends, ça, attends, ça, monter après l'ascenseur à l'étage 3. On descend à l'ascenseur à l'étage 4. Et comment j'y vais? Ah si, genre, ok. Oups. Xylomide. C'est à cause de ce jeu que j'appelle tout ce truc là Xylomide. Et que dans tous les autres jeux il s'appelle Marlboro. Non, c'est à cause de celui-là et de FF8 en fait. Surtout FF8, je pense. Oh, ça c'est vraiment le truc de chiant là. Bien, on va utiliser un remède s'il y a besoin. Ouais. Il va pas le refaire. Remède, ça fait pas partir le virus? J'ai rien contre le virus, moi. Bah, RIP, hein, on a rien contre les virus. Donc, si on a rien contre les virus, ça veut dire qu'on va arrêter d'apprendre des trucs. Donc, autant remettre le ruban. Le coffre avec dans le cas dedans. Redescendez. Est-ce que je vais faire ça? Je me suis pas soigné entre les combats, tiens. Position 4, je peux pas monter. Alors il faut l'appeler ailleurs et... Ah mais non, je suis con. Ok. Position 4. Là, je peux monter. Ça va me rappeler, mais je peux le rappeler là. Ok. En haut à gauche, salle suivante. Ouais, c'est quoi, vas-y. Alors. Range armure. Est-ce que équipable par moi? Non. Donc, Osef, ange armure, élite, tir à droite. Attends, j'arrive de là. C'est pas clair leur truc. J'arrive de là. Bon, je suis obligé d'aller par là-dessus. Ça mène à la salle circulaire. Ça va pas de... Ah, mais non, si, ça veut dire que j'ai là en fait. Droite pour les combats de boots. On a déjà. On appelle, je ne sais pas ce qu'elle enseigne. Combat de boots. On fait l'autre direction pour rejoindre le mug. En train de s'approcher d'une série de 3 boss.
font ces bottes. Bottes de combat, merci. Attaque MP présence HP plus. Bah pas franchement en fait hein. Du coup, par principe, même si c'est une perte de temps, on va utiliser une plante ici. C'est quoi? Allons même encore plus vite. Ah, le curseur il est pas au bon endroit, ça me tue. Il faudrait qu'il soit. Il pointe les portraits, mais il pointe. Ah. Ok, maintenant on fait une tente. Bon, ça va soigner ceux-là, mais. Mais les autres sont encore KO. Nice. Ah, pas si, ce sera plus rassurant. Parce qu'on a trois fights à la suite. Leur dragon, Garland et un premier Kuja. J'ai pas activé Cure pour Garland et Kuja, mais je manque le dragon. A voler, Xia Dragon, on s'en fiche. A voler, combat de bousier à la place, on s'en fiche. A voler, Terre, Jarmure, Robe de Lumière, on s'en fiche. Donc, basique attaque. En plus, j'absorbe le vent. T'as 24k. Non, 24k. Bon, ah oui, ça va aller vite. Comment dire que ça va aller très vite? Voilà. Vous avez raison, ça allait très vite. Puis Garland. Il y a. Mais je suis encore sous virus du coup, j'ai pas fait attention. Ok. Garland est plus facile à vaincre que Sylvain Dragon. Restez néanmoins vigilant, blablabla. En train de me dire que le combat contre le dragon était plus dur. Et je pourrais très bien me mettre au boomerang, ça aurait été rigolo. Pour l'instant, au boomerang ne m'a jamais servi. Je l'avais appris avec un fight en tête spécifiquement. Qui était le fight contre pile et face. Mais il n'y en a pas eu besoin. Non. C'est bon. Oh putain, j'ai immobilisé. Il n'y en a pas eu besoin parce qu'en fait les sorts qu'il lance sont techniquement pas classés comme des sorts, mais comme des compétences. Du coup j'ai rien envoyé du tout. Ouais, auto-récup, auto-potion. Du banc. Tu regardes le jeu jouer pour toi quoi. Et contre-attaque, tu regardes le jeu faire, clairement. C'est peut-être différent sur un run du style Grenat Only, tu vois. Est-ce que je me prends deux ou trois tics d'auto-récup pendant l'animation d'auto-potion? Pas dans le œil, le gros œil. Et donc il va nous combattre, mais juste après, Garland va lui apprendre que il va mourir un jour. Parce qu'il a un compte à rebours dedans qui fait qu'il va mourir dans pas longtemps. Ce qui va être le traumatisme émotionnel suffisant pour pouvoir déclencher le fait qu'il soit capable d'utiliser la transe. On a alors fait 10k, 4k. On faut 42, donc on a 13. On a à peu près 19.
21. Parce que 22. Ouais, 22. 22 et 4, 6. Est-ce que ça fera 9K? Un peu rapide. Un peu rapide. Mais alors, ce que deux sortes, son quart et foudre plus. En même temps, c'est pas le moment où tu le vois où c'est censé être dangereux. C'est le moment où. Voilà. Face à le méga traumatisme, alors il se rentre en transe. Et maintenant qu'il est très très puissant, il lance Ultima. Et faire mal. Mon corps déborde de la force de l'âme. Protection contre l'environnement qui essaie de dévorer. Quoi? Ah non, voilà. C'est là maintenant qu'il va apprendre de la bouche de Garland. Alors, monsieur Garland, nous n'avons plus besoin de vous. Maintenant, vous devriez prendre des vacances. Laissez-moi Hera et Terra. Non, non. Laissez-moi Hera et Terra. Je les dominerai avec amour. Même si tu as une force aussi grande, elle ne servira à rien. Vous ne reconnaissez pas votre défaite? Vous êtes pitoyable. Groix. Vraiment pitoyable. Avez-vous encore quelque chose à dire? Elle ne servira à rien. Gars. C'est votre tour de partir. Voulez-vous que je vous donne une mort douce et sans souffrance, ou préférez-vous mourir dans la peur et l'angoisse totale? Une meilleure idée. Si vous deveniez des hommes piliers de mon éternel royaume, chacun d'entre vous sera incrusté dans l'un de mes 8 piliers de marbre du hall de mon château. Qu'en dites-vous? Tu n'auras jamais ton royaume. Crois-tu que j'ai programmé un réceptacle défectueux tel que toi pour vivre si longtemps? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Il suffisait que tu mentionnes... Wow, 3, 4... Il suffisait que tu fonctionnes jusqu'à ce que ce prochain génome, Jidan, soit assez fort, afin de limiter les risques. Tu as été réduit. La durée de vie de ton âme a été limitée. Tu t'arrêteras bientôt. Même si je suis détruit, tu disparaîtras sans laisser de traces, ni influence sur le monde. Tu plaisantes. Mon âme disparaîtra dans peu de temps, c'est ça? Et pour moi, Garland, ce n'est qu'une mauvaise blague, hein? Pour moi, Garland. Ah ouais, je vais mourir. Ma vie n'a donc pas de valeur, un peu comme celle des mages noirs depuis le début du jeu. Et là, c'est la phrase qui fait qu'il pète un câble. Je n'admets pas que le monde puisse exister sans moi. Et donc à partir de maintenant, sa seule motivation, c'est de détruire le monde. Parce que lui va mourir, alors à quoi bon à ce que le monde existe, lui n'existe plus. Uja va donc mettre Terra à feu et à sang. À quoi bon que ces gens vivent si moi je ne vis pas? C'est pas très gentil de faire ça en tout cas. Des cheveux qui ressemblent à des plumes. Et qui sont des plumes. Vite, il faut qu'on aille sauver les habitants de cette planète. Et pourquoi? Parce que ils me ressemblent physiquement et vous savez, enfin... Il y a un biais psychologique un peu, dont on a envie d'aider les gens qui nous ressemblent physiquement, vous voyez ce que je veux dire? Un appareil de transmission vers le haut. Bien sûr, tu vois ça et tu te dis c'est un appareil de transmission vers le haut. N'est qu'un œil, allez. Allez, on skip, hein. Lui à la base c'est un connard qui traite les femmes comme du bétail. D'un coup, il y a quelqu'un qui l'aime bien, alors ça le titille à l'intérieur. Oh, j'ai pas eu le temps de manger des bonnes choses. Si je mangeais cet œil.
C'est une pierre, c'est un caillou. Allez, il faut aller aider les génomes. Climatique seul, c'est très bien. On n'a pas encore son nom qui a été donné. Celle-là a un nom, celle-là en plus. Ah, comment tu t'appelles? Comment? Bah ton nom. Si on t'a construit pour nous remplacer QG et moi, tu dois bien avoir un nom. Mon nom c'est Mikoto. Écoute, il y a très peu de conventions pour nommer les personnages dans ces jeux-là. Hein. Et on se casse de cette planète pour retourner sur la nôtre. Ce ne sont pas des nuages, c'est de la brume. Mais la brume est de retour. Mais pourtant, on a détruit Nifa. Fuja, qu'est-ce que tu as encore fichu? Disque 4. Allez, skip. Les génomes de Terra qui s'éteignent dans pas très longtemps sont intégrés au village des mages noirs qui également s'éteignent dans pas très longtemps. Essayez de partir affronter Kuja et de se prendre dans un chez des armes. Réalisez cette enquête. Si vous trouvez Capricorne, on s'en fout. Je vais repasser à Daguerreo. C'est fou parce que ça fait donc très longtemps que j'avais pas joué au jeu. J'ai une voix de merde qui est complètement prise. Je me souvenais plus que une fois que tu débloques la possibilité de voler dans ta tête, c'est genre waouh, le jeu s'ouvre, on peut faire des trucs de fou. En réalité, si tu juste tu tues la quête principale, le vaisseau volant, tu t'en sers deux fois. Ben non, genre tu t'en sers pour poser les gens au sanctuaire. Ok, retour à Daguerreo une fois. Techniquement, hôtel de vente. Non, FF9, créneau. Des enchères. Qu'est-ce qui est apparu? C'est des 4. L'ongle magique et un ruban. J'ai déjà un ruban. Hypocatalyxir et Alliance, c'est Osef. Et l'ongle magique, c'est pour Excalibur, je crois. Donc, on s'en fiche. Par contre, je fais un petit passage vite fait de mon cadavre. Pour retourner à la forge. C'est plutôt la fin du monde, et ici, il y a une petite musique. Donc, ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Par contre, métampsy, je ne sais pas ce que c'est, mais les métampsycoses, c'est un synonyme de réanimation. Est-ce que c'est un truc qui apprend Autolife? Invincible. Que fait Invincible? Sûrement pas aussi bien que ce qu'on pense avec un nom comme ça. Invincible. C'est ça, pas KO. Donc c'est deuxième chance au cas où on meurt. Il faut 12. Oh. Si on enlève auto-potion, on peut. On va faire un test.
Ok, et bah direction l'IFA. Hein. Alors. Une fois arrivé. Ok, bon, bref, ok. Tatata. Très bien. Thématique. Bien sûr. On garde bien les bonnes habitudes. On skip les cinématiques qui pourraient nous apprendre des choses sur le jeu. Pas là pour ça. Oh là là, il y a tout plein de Silver Dragon. Cool. Allez. Ne touchez pas à Béatrix. Elle est trop précieuse pour ce monde. Finryu. Est-ce qu'il est intéressant ou pas? Avant les remèdes Dragonnet, G Armure, Ozef, Ether Angel Moon, carte élixir, on s'en fout. Ça devrait être Ozef. Bah, c'est très bien. Il se one-shot pas et ça m'attriste. Mais non. Ok, ça compte pas. D'abord, ça compte pas parce que j'ai dit à Jidan d'attaquer Quina et Quina est morte avant que Jidan agisse. Du coup, Jidan s'est suicidé. Ça ne compte pas, vous entendez? Pas pareil. Pardon, la maladie m'emporte. Ah, merci. C'est que pas KO, c'est bien, et en même temps, genre si tu raises avec très peu de PV comme ça, ouais, il faut que je garde auto-potion. Pas KO, c'est gentil, mais on l'envisagera si jamais il y a un boss avec une strat du genre. Un boss avec une strat du genre. Quand il meurt, il explose, il fait des dégâts à plein de gens. Attaque à MP, c'est ok. Lord Killer pour le boss qui vole. Voilà, on va reprendre sur des bases solides. On va reskipper tout un tas de cinématiques. Comment ils sont en mode dégageons-leur un passage qui puisse passer, alors que concrètement, genre, il y a le pilote qui pilote, les autres ils sont là quoi. Ils bâchent, il n'y a aucune raison qu'ils soient sur ce bateau. Back défense. Ouais, on sera tellement plus safe. Oh, il contre-attaque. Oh! Ok. Ah. Merde, j'en peux. Ok, bon, autre tentative. Autre tentative. Sinon, il faudra que j'équipe un truc qui absorbe les dégâts de vent. Ok. Ok. Je pense que le plan, c'est de se défendre. Et d'en fait de le buter à la contre-attaque. Il ne contre-attaque pas sur une contre-attaque. Nice. Donc juste je continue à faire des défenses. Ok, il peut one-shot avec Cyclone, très bien.
Très bien. C'est pour one shot avec Cyclone, ça veut dire que on revient mais avec. À la place de ça. C'est le ruban non qui absorbe eau et vent. Voilà. Finalement. Allez. Ah du coup j'ai pas remis Bird Killer et attaque MP. Oups. Mais c'est la rose rouge. Et hâte. T'es tombé sur une sacrée nana. Ça ne te regarde pas. T'es tombé sur une sacrée nana quoi. Bon, on fait moins mal sans attaquer un peu. Pas de fond, c'est déjà des dégâts d'air, donc c'est ok. Un peu cheeky de faire des attaques parce qu'il peut contre-attaquer et faire très mal. De choc, c'est des dégâts d'air. Non. Ouais, il faudrait que je garde l'attaque AMP. Je l'utilise pas, ta potion. Parce que c'est pas activé. Parce qu'il y avait encore pas chaos sur cette sauvegarde. Hein, 55 KPVI là. Ah, ça pourrait peut-être être fatal. Là. Non. Ok, c'est un peu longué du coup. Mais ouais, attaque AMP nid. D7 sur un. Autopotion, attaque AMP. C'est bon. Je sais pas pourquoi je les ai pas remis, on oublie. Oups. On a dit. Attaque AMP, autopotion. Il reste 5. Et ben autant y mettre le Bird Killer. Allez. On le re-sauvegarde ce coup-ci. Pas se retaper toutes les cinématiques. S'il vous plaît. Non mais on va y arriver au bout hein. J'aurais bien aimé que ce soit ce soir. Mais il me reste une grosseur quoi. Ah là là, on va les aider. Hein. Pourtant, ils nous aident. Il y a aussi mes copains. Ils sont là. Ils peuvent pas franchement nous aider, mais ils sont là quoi. Ok. XMSC. Normalement là. Ouais. C'est quand même beaucoup plus mal. Va quand même falloir faire gaffe à ses contre-attaques à lui. Pour ça là. On se soigne pas sur une contre-attaque. Ok, il faut que je joue plus safe, c'est tout. Il faut que j'arrête d'attaquer quand je suis pas full PEV. Il faut. Voilà. Il faut juste que je prenne du temps. Allez. Il va nous faire monter les morts lui. Donc, il a 55k. J'ai dit qu'il avait 55, on lui a fait 6,5 et 7,5, donc on lui a fait 14.
suffire. Je me soigne. 14 et... 14, 21. 21. Et 29. On soigne juste pour être sûr. Plutôt nous soigne de finir. 29 et... raté. Contre-attaque sur le raté, c'est mesquin. Non mais c'est à portée de doigt hein. Il y aurait des solutions par exemple aller dehors et aller le passer juste à côté de sa limite histoire que Shinryu déclenche la limite. Là ce serait un plan ça. Un plan flag, un plan. Donc calculatrice, c'est quoi? Flemme. Est-ce que je peux avoir le jeu et en même temps la calculatrice? Voilà. Non, c'est con. Parce que pour faire la calculatrice, je dois appuyer sur plus et plus, ça fait augmenter mon compteur de mort. D'ailleurs, envoie une de plus que j'ai déjà appuyé. Ouais. Ok. Je vais faire ce que j'ai dit. Déjà, je vais tuer les trois autres avant. Oh, pas ici, c'est les gros dragons ici. Ah, oh, t'es con. Bah oui, mais... Oh, c'est la déchéance ce stream là. Jusqu'à maintenant, c'était ok, on avançait très vite. Et là, je suis en train de faire du caca sur caca sur caca. Donc. Exactement ça, mais pas ici. N'importe où ailleurs. J'ai mis une map. N'importe où ailleurs où il n'y a pas des trucs trop chiants et pénibles qui font très mal. Bon, on retourne ici là. On désactive le temps de ça. Contre-attaque. On est plein de lune à la place. Il met fin à ses jours. Lina. Il met fin à ses propres jours. Et là maintenant vous allez m'attaquer. Vous allez me faire le plaisir de faire. Ah j'aurais dû d'activer autopotion aussi, ça va être long et chiant. Oh ça monte vite. Pleine lune ça monte vite. Oh, la transe va se déclencher sur ça. Mais quelle merde. Bah jamais vous aurez fait buter par un truc aussi aussi douloureux. Vous. Bien je suis quand même hein, mais alors c'est bon conviction quoi. Quelle merde. Alors. En plus il a attaque à MP, il leur fait boum. Voilà. Compétence, Jidan. Attaque à MP, autopotion. Autant faire ça en forêt. Ok. Là, ça monte vite avec la lune. Ok. Ok, ok. Un petit éther par principe. Compétence. On lui remet. Attaque AMP, Bird Killer. Ça, on garde. J'aimerais bien mettre contre-attaque. Et autopotion. Vite de quoi?
puis de quoi on va les save au pied de l'IFA. Gagner du temps. Elles sont bonnes les conditions là ou pas? Bien sûr qu'on skip. Donc. Là maintenant là. Onde de choc, je prends les dégâts. Est-ce que je transe là-dessus? Non. Si. L'autorécu de Réfinir de me soigner. Contre-attaque à 10k. On est déjà à 24 dégâts. La cube, on s'en fout. On est à 34 dégâts. Je vous ai dit qu'il y avait une solution plus simple. Hein. On est à 44 de dégâts. Il faut 55. On a 50. Enfin, il suffit de faire les trucs dans un ordre un peu logique. Bref, accès à Memoria. On est où là? Est-ce qu'on serait pas à Memoria? Ce n'est que à partir de Memoria que Jidan peut quitter le groupe. Est-ce qu'on peut virer tout le monde et partir avec Jidan? Non! C'est pour partir. On monte. Si tu veux. Osef de ta vie. On est là pour finir ce jeu là. Il a stop. Est-ce qu'on a assez pour équiper Mobilis? Non. Killer. C'est Mobilis qui me. Parce que sa merde là ça m'a fait stop. Regarde si ça marche pas, c'est que c'est pas Mobilis, c'est autre chose. Go. Mobilis c'est quoi? C'est pétrification? C'est tout doux qu'il me faut et pas Mobilis en fait. Compétence, attaque MP, on peut la garder, mais tout doux. Ah, et car il sort. Damn. Damn.
juste que je me casse. Oh là là. T'es en train de me faire la tête à la gueule par tous les random mobs qui passent. Ok, il y a une solution qui est la fuite. Je pense que je vais juste les fuir. Compétence de healer. Doudou. Je vais juste faire malandrin et fuir tous les combats. Là, je vais aller. Là, il y a la tour, non? La tour. Est-ce que c'est genre l'arme ultime de Jidan? Bien, la tour. La dague quasi ultime. Ouais, non. C'est quoi? C'est Monarque, l'ultime. Donc, on part du principe que les combats, je m'en fous. La valeur mérite. Est-ce qu'ils ont encore des trucs pertinents à voler? C'est pas... Épée Ultima, Mazamun et Code Genji. Bon d'accord, j'ai rien dit. FF9, épée Ultima. Et Masamune, c'est aussi... Et FF9, Code Genji. Épée Ultima, Mazamune. Ah, c'est lui qui l'a. Chaque attaque, 62 d'attaque, magie plus 2. Pas bien du coup. Ah non, on peut la forger, donc c'est Osef. Et Code Genji, je ne peux l'utiliser de toute manière. Les suivants auront quoi? Sanguine, botte de 7 lieues, grand armée, pas pour moi. Robe de couet, bâton magique et armée Genji, pas pour moi. Grand Genji, sirène fut et robe noire, pas pour moi. Héroïque griffe, pas pour moi. On peut voler des items sur Kuja. Ah oui, parce que techniquement, t'as encore une chance de les équiper à un autre moment. Est-ce qu'il y a des trucs encore à récupérer? Je crois pas qu'ils m'intéressent. J'ai un doute. Hein. Non, on va juste avancer. Avancer et Osef de Pluton, je pense. Hein. Alors. Nous sommes l'élite des gardiens. Oui, on vous a déjà battu une fois. Enfin. Elle a 54 là. Boomerang, c'est posé. Ouais, elle va tomber très vite. Oh non! Il faut pas que j'agisse. Ah non, il faut pas que je me prenne des dégâts. C'est ok. Puisque nous avons ni chaud ni froid à la place de tout doux. Notre attaque, s'il te plaît, pour laisser à Autorégen le temps de. Tout à l'heure, elle a fait plein d'autres trucs. Là, il a décidé que non. Ah. Oh. Mais j'ai encore deux potions, non? Il n'a pas fait une seule. Ah, mais c'est parce qu'il était trop occupé à faire des contre-attaques. Ok, donc on va le faire un peu plus lentement. Ah, nous sommes l'élite. Agenouillez-vous. Bon, j'ai rien dit. Tout à l'heure, j'ai dit, oh, on t'a déjà vaincu. J'en ai marre. Qu'est-ce que je te dise? Le truc fait un crit sur l'attaque avec laquelle il ouvre le combat. Moi, ça me coûterait de mettre PV 20% en 8. Non. Encore. Ouvre pas avec un crit, s'il te plaît, c'est une question de respect en fait.
T'as le droit. Ça ne change rien. Ça c'est ok. C'est mission de niveau 3. Ça, ça rate, pas besoin de se soigner. Contre-attaque, c'est gentil. Ouais. Flamme de feu. On réduit les dégâts de feu pas mal. Donc c'est posé. Auto-potion en full PEV. Là. Temporise. Il temporise également. Ça me va. Défense. Bim. Pardon, pas bim. Mon calcul était pas bon. Ah mais c'est parce que je suis plus sous... bien sûr. Je suis plus sous... Dans ta KMP. Ah, il fait mal. Je sais que ça passe avec le... Avec les trucs que j'ai maintenant et que j'ai pas besoin de plus. Il lance sur le cancer, donc quand au moment qu'on se suit ça. J'ai besoin de rien de plus, c'est juste un peu de RNG quoi. Nous sommes les gardiens. Lis-toi. Pense l'âme. Ok, on prend compte de se soigner en entier. On compte une attaque, ça c'est chouette. Ça, c'est ok. Parce qu'en fait le play c'est pas utile de m'utiliser un éther pour être sûr que j'ai des... Que j'ai encore des attaques AMP après. Les contre-attaques le proc aussi. 2007, mais ça fait de plus en plus mal au fur et à mesure que le combat avance ou... Ah. Je suis en plus content de... Je viens de voir un truc. Avant la fin du combat, n'oubliez pas de vous soigner et de placer vos personnages les plus faibles en arrière-ligne, car Merylith lancera une attaque dévastatrice sur tous vos personnages. Ça, ça veut dire que il faudrait qu'en plus je survive à ce truc-là. Donc on va le mettre en arrière. On peut lui laisser attaque MP. Ou alors. Mission du froid. Ou alors on peut pas attaquer MP et on essaie d'économiser pour remettre HP 20%. Environ genre Talion par exemple. Le reste. Devil Killer. C'est comme ça. Donc je vais lui faire moins ce mal, mais moi elle aussi. J'ai bien fait avec ça tout maintenant. Donc il y a plus ta KMP, ça veut dire que ça va être plus long. Pas là. 4, 6, 8, donc 8800 près. On branle, on s'en fout. Là aussi. Il y a toujours la solution sinon d'attendre pour avoir les limites. Mais... Faisable, pertinent, parce que j'ai envie. C'est-à-dire qu'une seule fois il a fait dans du sable pour l'instant. Et si jamais, malgré tout ça, ça passe pas, et que sa compétence finale là, elle me fout par terre. C'est-à-dire que la seule alternative que j'ai, c'est de rééquiper
pas KO. Enfin, invincible pour avoir pas KO. D'accord, pas besoin. Donc celui-là, ce sera la bombe. La bombe, c'est sûr. Voilà. Survie. Yes. Ok. Mais voyons, c'est Alexandrie. Est-ce qu'on s'apprenait pas à rire un souvenir traumatique? Oh, la cinématique est tout propre. On a été sympa. C'était sur un écran. Vous pourriez juste baisser les yeux. Quoi. Il y aura un shop à un endroit, non? Vert. Non, il y a un point de sauvegarde que j'ai pas vu. Non ? Là. Est-ce qu'il y a un item là ? Et bien pour Echo, mais on s'en fiche, elle est pas dans le groupe. Donc tiens, il peut des cordes. Parce que il y a encore un boss ici. Lequel ça va être Kamat. Hein ? Est-ce c'est le joueur de cartes invisibles ? Donc autant dire que c'est Osef. On se casse de toi là. Que j'ai pas rééquipé le truc pour ne pas être sensible à lui. Ah, le gars tous en permanence, c'est chiant comme stream. Heureusement qu'il y a personne qui le regarde. Alors. Attention à ne pas attaquer quand vous êtes en lévitation. Écoute, on va garder ce setup là. Ah, c'est quand Grena elle débarque à Alexandrie. Ah oui, oui, il a peur des invoqueurs qui sont très puissants. L'œil. Bien, conceptuellement, Memoria, c'est simple. Mais c'est vrai que, mais visuellement, tu vois, la montée vers l'œil et avoir Tiamat qui sort devant, et il se passe un petit truc. Il faut que je fasse gaffe en l'attaquant à l'aveugle. Parce qu'il me fait l'éviter. Mais du coup. Ok. Test. J'attaque, il peut m'exclure du combat, non? Aspire en magie si tu veux. Aspire ce que tu veux. Je n'ai pas de magie. Aspifor, c'est plus chiant par contre. Est-ce que je peux au moins faire ça? Pour le couper un peu. Faire 290 de dégâts. Go. Fort, ça va être chiant. Hein. S'il me le fait de trop.
Je dois quand même lui faire 64 dégâts. Hein. Après, il y a une solution qui existe peut-être. À me faire one shot. Nice. Ok. Je pensais pas à celle-là, oui. Ok. Ah. Au vent, au glace derrière sac. Est-ce que c'est pas worth de mettre invincible ici? Ça, si la attaque il one shot, il one shot de toute manière. Et... je veux dire, tant pis pour mes dégâts. Vous avez mis chaud ni froid. Et de trouver quelque part. Parce que, ok, ma théorie. Ma théorie. Qui est peut-être pas la bonne. C'est. Que. Si jamais je meurs et que je suis rappelé par, par Pacao. Mal ça. Je suis rappelé par Pacao. Peut-être que ça va annuler. Ah oh, il me faut ni chaud ni froid. Turbo injection, ça fait niche. Ça fait chaleur. Damn. Ah oh, j'ai pas envie de grind. C'est pas une question de flemme, hein. C'est plus une histoire de j'ai pas envie d'avoir besoin de grinder. C'est Dragon Killer. Yamat n'a pas Bird Killer. Il a Dragon Killer. Moi je n'ai pas Dragon Killer. Ouais. Ok. Il a 60k. Bien sûr que j'ai pas encore testé. Si je l'attaque en l'évitant, il peut me tirer du combat. Est-ce que ça peut arriver si je suis seul? Apparemment pas. 18. Ok. 18 et 16. Donc 28, donc 34. Il me faut 600. 34. 40, 50. 62. 82. Ouais, infini. 82. 94. 94. 107. Ça fait un sixième. 107. 119. 129, 130, 141, 141, 168, 169, 171,
On continue comme ça. 71. 172. Non, pardon, 181. 192. On va mourir à cause de ça. 200, 202. Y a ça là qui a un plan, mais j'ai pas envie d'utiliser là, on sait jamais. Mais ok, regardons les boss d'après. Ça c'est pas un problème. Ok, donc le boss suivant, je pense qu'il y a aucun souci. Obis Mithridate élémentaire. Chaosium, la liche. Disney Shaker, ça on connaît. Mais il a quand même Châtiment et Hadès. Écoute, je crois que c'est lui qui va m'en prendre plus, hein. Là, on est à 200. Il faut 600. 200. 210, pardon. 200 là. Waouh. 200, on va dire 230 pour les arrondis. On arrête les arrondis. 230. 137. Et on décède. Ok, on va aller chercher une transe. Ouais, je suis une trompe. L'œil, oui. Est-ce que je dois mettre pleine lune temporairement si je n'arrive pas? Oui. Que ça. Venons en arrière. Ok. On se souvient que il tape très fort. S'il fait carapace, peut-être même un peu trop. Mais mon but c'est pas de le tuer, je suis pas là pour l'XP. Ok. Normalement. Attendez, se regarder. Non, c'est pas ok, je suis con, la transe. Ok. On fait un retour à l'écran, titre, et on recommence. Des blindages. Des blindages, putain.
Deuxième possibilité, eh bien, on recommence à essayer de... Ouais, d'aller plus près. Non, ça va être pénible hein, de faire ça comme ça. Ah mais en plus, bien sûr. Ah bien, 18. En fait, c'est ici qu'il fallait se fighter. Ah, oh, j'ai plus plein de lune. J'ai plus non plus le truc qui me protégera contre lui si jamais ça merde. Ah, oh, y'a rien qui va. On va compter sur la RNG pour éviter qu'il y ait un fight aléatoire là. Et que s'il y en a un, que ce soit un écarisseur et qu'il commence soit avec Titan, soit avec Carapace. Yes, ok. Taillon, ça serait bien, mais il faudrait sacrifier HP 20%. Quoi? Ok, on vire HP 20% puisque de toute manière. Le problème, c'est qu'il peut me one shot au bout d'un moment. Partons de là. Partons de là, on part de là. Cyclone. Ben, on s'en fout. Pas de dégâts, et en plus, ça donc même pas la prendre. Faudrait qu'il attaque avant et qu'il me déclenche mon truc avant de me suck toute ma magie, tout ça. Ok, non, ça va se faire. Viens sur Zach, s'il te plaît. Quels sont les dégâts infligés par un truc? Ok, 10. Faire la chaise passe. Hein. Nice pour attaque. Ah, dommage. Tente sans utiliser la chaise passe. Si je passe pas, il faudra que je m'en serve. Et parce que pour ça, ah oui, mais oui, évidemment, c'est Aspi Force, ça veut dire que la force qui me prend à moi, il la suce pour lui. Oui, bien sûr. Donc, contre-attaque est à Lyon. C'est oui. Ou attaque AMP. Attaque AMP, c'est peut-être un peu gâchis, mais. En même temps, quoi d'autre? Hypnose, c'est vraiment genre la chance du désespoir. Tenter, mais.
connais pas les rôles. D'accord, on commence à faire des attaques tant qu'elles font un peu de dégâts. Là c'est ok, je vois injection, c'est bon. D'accord. Un cas. J'ai pas assez pour faire deux fois l'autre. 30 cas. Ok. Mais ça je voulais faire. C'est le H-Espace. Alors quoi ça va, je sais pas ce qu'on s'en sert. C'est vraiment juste. Pif, nul. Ouais. Si ça passe pas, il me faut attaquer à MP. Puisque donc j'ai un tour gratuit, enfin gratuit, je guillemets gratuit, je peux m'en servir. Nice. Il fiera sûrement pas. Allez. Ok, avec attaque MP, je vois pas d'autre chose pour faire assez de dégâts. Et mes contre-attaques sont pas super pertinentes. Donc. Je gère pleine lune. Je remets pas talion. Ni chaud ni froid, bien entendu. En existence, on s'en fout. Ça, c'est pour tenir le coup jusqu'à temps que ce soit le moment. Attaque à MP. Je souhaite que Jidan puisse apprendre herboriste, mais ce n'est pas le cas. Faut que je vérifie si le skill d'avant est aussi 10k, auquel cas. Pour lancer 4. Ouais. Bon, je gère là non, parce que j'ai pas lancé le premier. Mais... j'aurais pu lancer ces 4 là. MP, ça c'était rendu prévisible, mais Ether 150, 230, ah non 150, et là on donne tout. Est-ce qu'on aurait dû être sur la première ligne peut-être? Donne tout, mec. Si j'étais à un coup du décès, peut-être. On va voir. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. En vrai, je pense que c'est bon la prochaine. 58. Il est en train, à lui tout seul, de rattraper toutes les morts que... toutes les défaites que m'a fait subir Beat. Pendant tout cette run. J'ai dit quoi? J'ai dit oui. Utiliser mon autre skill. Il coûte 48 4 fois. Donc il coûte 48 4. 192, ce qui passe avec mes 200 de mana. Si tenter que je ne fasse pas de contre-attaque. Mais bon, ça.
idéalement, là tout de suite, il fait genre lévitation. Comme ça, je peux claquer le premier H-Espace gratuit. Et il fait une attaque. Je ne vais rien faire. Parce que je veux prendre des dégâts. Voilà. Oh, ça a raté. Oh merde, il est en train de ruiner mes plans. Oh merde. Non, c'est bon, ça ne déclenche pas. C'est clair. Faut tourner deux tours gratuits. Vas-y, il faut que tu me fasses des dégâts. Mais non! Je fasse des dégâts, mais pas que tu me rates. Attaque moi. Non, 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 allez! Le début était gentil et tout. Allez, fais ton truc là, Jarmak là-haut là. Oh bon dieu de merde. Je fais déjà plus de dégâts avec ça. Allez. Il en a raté 3 à la suite. Putain, il en a raté 3 à la suite. Allez, là tu le places. Là, là maintenant, Jarmaclo là. Non mais il aura tellement attendu. Je sais pas quoi dire. Je vais peut-être faire un troisième. Et c'est là qu'il va m'attaquer, que ça va passer. Et que ça va me buter tout de suite. Parce que à force de m'avoir pompé mon énergie, il est maintenant une bête. Il l'a encore raté. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ce fight? J'ai hypnose, mais quand même. J'ai hypnose qui est en train de me ruiner à ce point. Allez. Bah oui. C'est hypnose qui est en train de me ruiner à ce point. 58 morts, putain. Ça. Voilà, on va ça. Non, ça, je peux remplacer une, mais pas deux. De trans. Le PV, ça ne sert à rien. Les 800 PV en plus, c'est pas nécessaire. Mais je sais plus comment demander, enfin c'est invitation Jarmaclo qui touche. Bon, solution 9. On doit pouvoir lancer 4 fois à la suite. Plus le H-Espace. Avec le H-Espace, nous sommes donc à en gros 50k de dégâts infligés. Il lui reste encore 10k. Éther. Et on attaque. 1,5. 3,5. Quatre. Presque 5. Non, non, 6, 5. 4. 10.
Parce que 7 en fait. Ah non. Parce que c'est ce raté qui va tout ruiner. Oh le crit. Oh. C'est facile. Oh le bâtard. Oh le bâtard chien. Alors. Ouh. Les maths. Droite, interstice, point sur regard. Là, on s'en fout. Là, c'est le joueur de carte invisible. En des escaliers. La fusion entre Terra et Hera. C'est ici qu'il y a Clariati. Ah, c'est juste après. Il est pas sur le pont, il est dans la pièce là. Ah oui, parce qu'il y a... Comment s'appelle ? Pluton ? Dans la forge à droite là. Ni chaud ni froid, évidemment. Il a des compétences d'eau, donc en théorie. En théorie. Compétences d'eau, donc en théorie, le ruban les absorbe. Il peut nous congeler, mais on a ni chaud ni froid. Il peut contre-attaquer avec du dick. Il a 59k de PV encore. Les amis, il s'appelle Fatima et Gangrène, les deux. Est-ce que ça vaut le coup que je les attaque là-haut? Reste étourné. Ça, on peut le sort. Ça le sort. Ah ben c'est quoi en fait, si ils contactent avec de la flotte, autant que je les tue pas. De droite je sais pas, j'aurais sûrement dû mettre un petit poison. Et c'est fiché, mais je peux vivre avec. Ouais, il ne peut rien me faire. C'est ça non? À part me ruiner mon stock de potions, mais il ne peut rien faire. Et au pire, on ressort d'ici, on va en acheter. Pour l'instant, que je pourrais mettre le jeu en automatique et que ça marcherait quand même. Ok, c'est la tentative de droite qui fait des guerres et qui m'aveugle. Donc, on va supprimer la tentative de droite, au moins. L'autre fait aquaball et ça me soigne. Des gangrènes. Par contre, il va effectivement me ruiner toutes mes potions. J'ai plus que 21. Comme ça. Peut-être qu'il vaut mieux pas que je le recommence le fight. Ok. Parce que si je le recommence, je peux éviter. C'est juste pour les potions en fait. Hein. Non mais il a quand même de me tuer de toute manière.
quoi. Elle est automatique, là. Ah ouais. Elle est juste long, mais Ah, l'absorption de l'eau complètement nullifie ce fight là. Quoi. Le jeu après ça va être Red Chaosium, c'est typique les dégâts de terre. Donc avec les bottes de cette jeu c'est ok. Et il reste du Fura et puis Vacron c'est Darkness. Désolé, c'est pas super intéressant à regarder, mais pensez même que c'est pas très intéressant à jouer non plus. Hein. Parce que je lui fais pas de dégâts à chaque fois et puis là 60 000 PV. C'est long, hein. Juste que je surveille que le... que l'autopotion me claque pas mes épices. Je vais en même temps. Vous avez mangé un truc sympa aujourd'hui. Il est 1h du matin, chier. Allez. Ah bah cette victoire elle était méritée hein. Élixir, potion, mais c'est pas grave parce que si j'arrive devant Kuja, alors j'ai plus de potion. L'avantage c'est que je vais pouvoir désactiver tes potions. par contre, non, pas lui, je veux dire, Chaosium. Botte de cette lieu qui absorbe la terre. mais il y a châtiment et Hadès. Donc ça aurait été cool d'avoir Pacao. Mais je vais pas avoir Pacao. Devil Killer. Qui est à Lyon. On va retourner sur des bases. Des bases un peu solides. Normalement ça devrait être bon. La position je leur mets devant. Là, on monte et là-haut, il y a un point de save invisible. Non, il y a un item pour Bibi invisible. Non, c'est là qu'est l'arme de Bibi.
Non. Ah. Non, ça c'est le joueur d'attaque. Hera à sa naissance. Ah oui, dans ça où il y a la canne de Bibi. C'est en plein milieu ici que ça va, non? Ouais. Normalement. On a l'attaque automatique, ça en absorbe. En théorie, ça devrait être un combat. Ah. Ok, il a stop. Il a stop. Voilà. Ça, par exemple, sur une Solus, ça serait pas mal de dire. Ah bah si, il y avait écrit. Merde, il y avait écrit associer Mobilis et Mitridate à vos personnages. C'est écrit. Ah, Mitridate. Ah, en plus. Ah, mais il n'y a pas ni chaud ni froid dans Mitridate. Ah, ça me touche pas. Alors ça par contre ça va être pur RNG. Et ça je sais pas comment je peux en faire y faire quelque chose. Comment est-ce que je peux gérer ça? Comment est-ce que je peux gérer le fait que ce machin-là peut me one-shot, tout simplement, me one-shot. Déjà, revenir en arrière pour save avec les bons équipements. Parce qu'il a 59k de PV, quoi. Donc 59k. Donc 64 PV. Faudrait vraiment une énorme coïncidence pour que jamais il lance châtiment. Pour rien. C'est quoi une strat pour faire ça? Internet. Comment est-ce que je peux faire ça? Earthquake c'est ok. Top c'est ok. Venom Powder c'est ok parce qu'on a Mitridate. Est-ce qu'il faut juste espérer qu'il rate? Passe mort et Doom mais qu'il le rate. C'est ça la strat? Et espérer qu'il rate ses attaques? Attends, en plus il a mort niveau 5. Plus 51 ça va. Mais
un niveau, lui. De manière à ce que s'il me fasse Doom ou quoi, on puisse lui renvoyer. Juste avoir de la chance, c'est ça? Ouais, il va falloir avoir. Ok. Peut-être ici on peut repartir. Non. Ok. La strat, ça va être d'apprendre auto-lévitation. Donc on absorbera plus les coups d'éléments en terre là. Mais au moins on pourra ne pas se prendre de dégâts à cause de. Évidemment lui va contre Métor. Non ça va. Je vais le faire à chaque attaque, non? Contre Métor? Non. Ça peut être très rapide, seulement tu décèdes. Mais qu'est-ce que ça comme PV? Ok. On oublie ces trucs là pour l'instant. Attaque AMP. Là, mon but. Mon seul et unique but. D'abord. Premier seul et unique but. De cette merde. C'est de buter quelque chose. Notre attaque fait quelque chose. Mais non. On est en train d'arriver sur un mur. Ok, j'avais pas envie, mais tant pis, on le fait. Ah, mais attends, non, ici je peux me téléporter, non? Non. Non, on le peut que d'un truc qui est plus loin, donc tant pis. Je voulais pas faire la route parce que c'est long et chiant. Mais non, qu'est-ce que j'ai fait? Ok. On se casse, on affronte personne. Tout le monde est bien trop efficace pour nous. Et on s'en va. Et on s'en va de. On s'en va de Memoria, complètement. Pour aller. Super. Pour aller acheter des potions. Pour aller apprendre une compétence ou deux. Ah, je pensais finir ce soir et ce sera pas le cas. Et ça veut aussi dire que le prochain live c'est juste, uniquement, juste 1, 2, ouais, 3, 4 boss. Excusez-moi les gens KO, hein, vous savez, moi c'est ma passion les gens KO. Ok. Grosse potion. On avait Adagero, non? Non, lui, il était armurier, donc il a pas de potion, tout d'ailleurs. Bien sûr. Ok. Première chose, en plus, c'est quoi vendre? On va faire un peu de ménage. Puisque c'est bon, c'est officiel. Il n'y a plus rien qui me serve à quoi que ce soit, à part les choses qui me servent à quelque chose. Hein? Ok.
Les rotators, ça dégage. Ninja Sun, ça dégage. Angel Moon, ça dégage. Le bruit de... dessous. J'ai les poignets. Tous les trucs pas équipables là. Tous ces trucs là là. J'ai flemme de réfléchir. De l'équipement ne me servirait pas. Ici, random en plein milieu, la compétence contre-attaque étalion, auto-récup auto-booster, on s'en fiche, on va one-shot toute passe de toute manière, compétence plus, ouais, niveau plus également, même si c'est pas eux qui en rapporteront franchement de l'XP. Oh, rat time. C'est le meilleur moment. Grissa vient du chantier Olmeta. Je n'en sais rien, je crois que oui, c'est Olmeta. C'est quoi, je vais le chercher parce que... FF9, rat time, questions. Même plus qui te c'était quoi la question, c'est Prima Vista. Eh bien, c'est bien évidemment faux. Que fait le FF9 Protect Wing? Dan peut l'équiper. Long reach, d'accord, mais c'est pas worth. Ouais, je pourrais faire ça pour, tu vois, aller le chercher en boucle. Qu'est-ce que tu veux? La forêt des chocobos est au nord-est de Limblum. Oui. Mais dis, t'as ta gueule. Il y en a combien? Il y en a 16 en tout. Oh. Quoi, j'ai juste grind. Je le fais ici parce que... Ah mais il faut pas que je fasse ça maintenant, mais merde quoi. Oh. Ok, pas maintenant. Ça veut dire que le dernier live de ce truc là sera chiant à mourir. Je suis encore là. Oh, quel caca.
dans lequel nous nous trouvons. Dans la salle de dragon encore. On a dit compétences plus talion, mobi et on a compétences plus oui. Oh merde, c'est à dire que je vais être obligé de grind pour des compétences pour finir le jeu. Évidemment c'est lui qui est là là. Ah, y a plus rien qui va ce soir et j'ai plus envie. Je pensais que c'était un bon spot et en fait c'est lui là, spécifiquement cet ennemi là. On essaye là. Ok. T'appelais comment machin Zilla? Poulpe Zilla. Merci pour Poulpe Zilla. Auto-lévitation. Et donc maintenant il faudrait que j'apprenne en entier invincible. En entier de manière à pouvoir. Équiper invincible en portant les bottes de Septuor. Poudre zombie, super. Il manquait plus que ça. Reste en dehors des combats zombies. Bien sûr que oui. Et en plus, ça empêche. Ça empêche de gagner des points de compétence. Parce qu'évidemment. Ah. C'est pas ton truc à la con. Laisse-moi passer. Et où est-ce que je peux grind tranquille avec peu de Jidan? Un endroit où il n'y aurait pas de putain de xylomide. Il n'y en aura pas là, mais qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Du sage. Ah, sandwich. Ah, il faudrait que je mette hypnose peut-être. Je sais pas ce qu'il y a d'autre comme ennemi, mais. Dracon zombie. One shot. Ouais, ça c'est bien ça. Oh. Ah. Ah, one shot. Il y a une tête de quelque chose qui a une pétrification toi. Hein. Ah mais non. Cool. Mais il est protégé. Va le refaire. Non. Je vais devoir genre save entre chaque mob. Dehors, on va faire l'attaque à caprice. Non. Oh, ça va être la purge. Ça va être la grosse purge. Parce qu'il n'y a rien qui protège de mort. F9, est-ce qu'il y a un anti-death quelque part? Non, très bien.
c'est la merde. Et pas ici parce qu'il y a un machin qui peut me one shot. Donc, on tombe l'autre continent là-bas. Ah bon? Ça c'est one shot. Enfin, moi je le one shot, mais. Allez, souffle toxique, on est mort parce qu'on n'a pas mis Tridate. Je vais m'arrêter là pour ce soir. 62 morts, chier. Il faut que je trouve une solution. La RNG c'est gentil, mais il a 60 000 points de vie. Il a 60 000 points de vie. Ok. Mon plan de contingence, il est FF9 by. Je demande désolé le plan d'anglais. Items. Ah, je sais pas comment il s'appelle, Dark Matter, je pense que c'est. Ouais, FF9, multiple, Dark Matter. Ozma, mais non. FF9 Cœur H Espace Non. Ça n'existe pas d'en avoir deux. Bah si, mais n'est pas n'est pas gameplay. Eh ben, je m'arrête là pour ce soir et il faut que je trouve une solution qui sous-entendra sûrement du grind, qui sera sûrement fait hors live parce que bah, il est hors de question que je passe mon temps à faire ça en live. Je coupe ça là et puis on verra bien. Des bisous.